presque pareil. What the fuck? Salut. Quoi? Stylé, 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 stylé. Oh putain, les Ptera. Les Ptera. Ah, il y a un lock dessus. C'est quoi? C'est par rapport à... C'est par rapport à ça. C'est l'émetteur qui les empêche de sortir cette zone. D'accord. Comme okay. ça, au moins, s'il y a des araignées qui tombent, ils se battent seulement dans cette zone. Ils sortiront pas. Parce que hier, il y a une araignée qui est venue. Et ils ont tout sauvé. Ils ont tout sauté là-bas. Regarde. Ah, ok. Où ça, Théo? Ouais, ouais. Voilà. Ils ont tous sauté là-bas en bas. Alors, la calamité pour les ouais, faire bah revenir oui, après. C'est la merde. C'est casse-couille. Et après, en fait, t'as 3 ranges. Si tu regardes bien, la zone rouge. Ouais. Genre, je peux être en minimum. Ah oui. Short. Ouais. Et nous on est en médium. Ouais, c'est déjà bien, je et trouve. Je peux mettre encore plus grand, tu vois. Ouais, ouais. Mais plus grand. Ah oui, putain, oh, je trouve c'est un peu abusé parce qu'il pourrait tomber justement. Ouais, il saute dans le vide. Ouais, C'est pour ça que j'ai donc mis médium, c'est c'est très bien tout ça pour juste, nous. au moins il tombe pas. C'est très bien, nice. Tiens, okay. Regarde. T'es où? Là. Derrière toi, derrière le prout-prout. Yeah! Un tapis de Jara. Les beaux gosses. Yep. Beaux gosses. Bon. Oh, regarde là-bas, j'ai fait une cage. Ouais, c'est ce que je vois. Je vois que t'as fait une cage et tout, stylé. Cage 3 par 2. Autour, c'est que des portes. Qui nous permet, nous, de tirer au travers et de passer au travers ouais, sans de bloquer que le dino puisse sortir. Via la trappe, soit en haut, passer là-haut, par la porte. On a une trappe pour que je puisse les drop et lâcher avec les dinos volants. Et ou sinon, s'ils passent pas, en gros, la technique consiste à venir ici, te faire aggro ouais, par le dino, cours. Sauter dedans. Tu et une fois qu'il est dedans, bah toi tu passes les portes, il t'aggro et le deuxième referme, ou alors je fais le tour vite ah fait et je ferme ouais, la porte, ouais. Tu vois. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour du timing de dinosaures. Alors on a commencé à concevoir, enfin Anto a conçu une cage exprès en fait pour pouvoir mettre les dinos qu'on veut tamer à l'intérieur. Donc on a soit une trappe sur le dessus, on a soit une porte sur le côté, tout dépend du dinosaure qu'on va mettre à l'intérieur. Certains dinos demandent, ne pourront pas passer la trappe malheureusement, mais pourront passer en l'occurrence la porte. C'est ce qui nous servira en fait à les tamer puisqu'on pourra leur mettre des darts hein, depuis la zone ici, ils ne pourront pas s'échapper. Donc je ne sais pas encore ce qu'on va tamer, on va regarder ça avec Anto. Hein. Mais je pense qu'il y a pas mal de trucs à tamer et pas mal de trucs qui peuvent être cool à tamer. Sachant que le Pteranodon a la possibilité, alors c'est un petit peu n'importe quoi, coucou tout le monde, d'ailleurs sur le stream d'Anto. Et en fait j'expliquais que le Pteranodon avait un peu, avait la possibilité de grab pas mal de dinosaures quand même, on va pas se mentir. D'abé, ouais, d'extinction. D'extinction, ouais. Donc on a le prout-prout, donc le gazbag qui a la possibilité d'être d'être attrapé. On a d'autres dinosaures. J'ai pas encore le nom de tous les dinos, je vais pas mentir. Mais donc on va faire ça ensemble. Aujourd'hui, je pense que ça peut être sympa. Salut à tous ceux qui sont en train de rejoindre. Alors, est-ce que... Alors par contre, moi... Je peux pas réparer. Ouais, et ben justement, moi par contre, faut que j'aille boire un coup. Alors attends, faut que j'aille boire un coup, faut que j'aille chercher des steaks. Parce que... Les steaks, il y en a au frigo, j'en ai fait cuire. Ça marche. C'est une cage multifonction, c'est pas que pour un dino. D'où la trappe au plafond, la porte. Comme j'ai montré sur ton live, hein, la porte elle sert à. Bah, si on aggro un dino, boum, la porte ouverte. Moi je repasse par ici et on referme derrière. Ouais. Je peux le lâcher directement depuis le plafond. Mais si pour ce soir on va aller chercher des vélonosaures, cette cage là il suffit simplement de faire la même mais sans tout ce qu'il y a au-dessus. Déjà en plus, moi je suis monté jusqu'en haut de la porte, mais en vrai, il suffit de deux niveaux, de hauteur. Normalement, il suffit de 2 de hauteur, la grande porte pour le faire sortir par la suite, et c'est tout. Donc 3 par 2, 2, c'est que des portes, tout autour c'est que des portes. 2 de hauteur, avec que des portes, et une grande porte une dino gate. Petite astuce, nous, là actuellement, moi la porte, je peux la snap parce qu'on a mis un mode qui améliore le craft, enfin le building sur Ark. Mais si vous êtes sur console, ce que je vous conseille, c'est de faire toutes les portes tout autour. Et de finir par la Dino Gate parce que justement les structures qui sont déjà placées pourront vous permettre de bah, de pas laisser de trous et de bien voir où vous vous placez. Ah. Tu montes quoi au au Ptera? Maintenant je sais pourquoi Vincent m'a dit que j'allais être déçu. Pourquoi? Parce que je ne peux plus grab avec le Ptera. Non. Et regarde, je peux plus grab le. Sans déconner. Ouh. Et même derrière les vélas, je peux pas les... Et les pout-pout, on peut les grimper ou pas que je rigole? Non, 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 j'ai essayé. Merde. Ah, ça c'est toi par contre. Ouais, là pardon. C'est moi que t'as eu. Mais non. Donc c'est plus viable. Donc, on change de stratégie. En fait, là, les biomes nous montrent quoi? Nous montrent juste que jusqu'à maintenant, c'est fait berner. The Island, Ragnarok, The Center n'étaient que des dômes dans cette terre, justement, qui ne nous appartient plus. Et en fait... On le voit bien dans le trailer où tout est en train de partir en cacahuète. Oh, c'est parce qu'on est censé atterrir dans un dôme oh, putain. Qui disparaît. Il y a le vélo.
Attends, je me pose 2 secondes. Y'a le vélo. Oui, il est juste là. À côté d'un lézard. Attends, tu regarderas plus. Derrière toi aussi. Quand tu... Ouais, je ferai K en fait quand je vais rentrer dans le biome pour montrer. Je vais regarder le leveling par contre du look là. 280. Ah, c'est un 280, il vaut la peine. En plus, y'a pas trop de merde autour. Hein. Ah, y'a quand même une araignée. Bon, c'est pas grave. C'est pas une araignée, c'est un scorbac. C'est un fucking scorbac. Allez. Ok, je vais rentrer dans le biome, je vais faire K les potes. On va regarder ce que ça donne quand je rentre dans le biome du coup. Là en fait, on va rentrer dans le biome. Oh ouais, regarde. Putain. Regarde, quand je te disais que l'argent d'Avis il peut taper. Il peut taper. Il est dans les pattes et je suis en train de le défoncer. Ah ouais. Oh, tu le jettes plus loin. Ah, c'est très bien ça. C'est très très bien. Et moi, nice. Ça me heal quand je le bouffe et que je le bute. C'est bon, stylé, apparemment, c'était un level costaud celui-là. Oh, tu l'envoies au pire à l'autre bout de la map et il dégage. Hein. Oh putain, allez, petit freeze, petit freeze. C'est bon. Dodo. Je lui mets. Ah, il fuit donc c'est bon signe. C'est très bien ça. Allez, mon petit. Vas-y, ça touche pas. C'est chiant. Voilà. Allez, fais dodo. Ah. Oh putain. Il défonce le trissé. Ouais, mais il m'a enculé mon torse aussi. Non. Oh putain, du coup, le trissé il essaie va. De buter le trissé. Essaie de buter le trissé. Oui, j'arrive. Où est le trissé? Oh putain. Voilà, le trissé comme ça il va être sur moi. Allez, viens du coup. Allez, viens Michel. Il va crever. C'est bien. Oh putain. Ça tape à combien la bestiole là? 27. Fais gaffe, t'as deux trissés sur la gueule. Ouais, ce que je vois. Je vais les éloigner alors, attends. Venez. Allez. Par contre, je me fais. Voilà. Je ne dirais pas de mots insultants, mais. Oh là là, ça bug un peu. Alors. Très bien, il est coincé. Ok, il y a un mort déjà. Par contre, il y a le. Pas bordel épineux, j'ai plus son nom. Bizarre épineux? Ouais, c'est pas grave, moi c'est lui que je veux. Qu'est-ce qu'il y a? Non, la bolasse elle est passée au travers du raptor. Mais non. Bah, je vais peut-être crever. Attends, j'arrive, t'es où? Ok, je te vois. J'arrive. Voilà, merci. La bolasse tu la prends puis tu fermes ta gueule. Mais il y a le corruptade, c'est ça. Je veux qu'il crève lui. Fais des torpilles, hein. Tu lui fais super mal en faisant des torpilles. Hein. Oh là là, j'ai les loups au cul. Ah oh, putain, j'arrive en toi. Ah, je suis mort, 100%. Mais non. Ah, j'essaye de faire de mon mieux là. Attends. T'as plus tes ailes? Non, non, il m'a broken l'autre, il m'a broken le torse. Alors, par contre, là, je peux plus marcher, je peux plus courir. Du coup, j'ai de trace. Rien. Il la joue. Très bien, nice. Ok, il y a les merdes au-dessus. Faut que je récupère, vas-y remonte, remonte. Ah nice, vas-y, jette-le. Très bien. Défoncer sa gueule à lui. Ton torse du coup il est mort là pour le moment. Ouais, ouais, ouais. C'est bon. J'ai pu heal le terrain. Très bien. Moi je vais me heal un peu. Il est passé où? Plus loin. Je l'ai vu. Attends. Je l'ai vu. Attends, je continue d'avancer. On la joue safe pour le moment. Absolument nul par contre. Ouais, par là. Je lui avais mis carrément là, la dose. Ok, je le vois ici. Ah oui, là où il est, d'accord. Fais attention à toi. Hein. Ah. Oh non, j'ai un loup. Est-ce que tu peux tenter de le grab? Si tu peux. Oui, il faut que tu t'enlèves par contre, parce que c'est toi je le grab sinon. Je vais me poser, j'aimerais savoir où est-ce qu'il est le pote là. Ok, il est là. Alors, ça va, il tourne en boucle. Il tourne en rond un peu. Voilà, comme couché. Ok, très bien. Si il attaque, c'est juste que là il est en fire parce qu'on a deux doigts de l'endormir. Et c'est juste qu'il fire là depuis tout à l'heure. C'est compliqué parce que. Okay. On lui a déjà mis il la dose. C'est absolument pas logique. Non, reviens là. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de merde en tout, fais attention à côté de toi.
J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de merde. Toi. Non, non, juste à Je peux droite plus là, il y a un tirer. raptor. Faut que tu viennes nickel raptor. Non, il y a un ptera. T'es aggro? Allez, viens du con. C'est très bien. T'as aggro quoi? C'est bon, je l'ai tué. Tiens. Attends, vite, je mets dans le piaf. F. Hop. Là. Tiens. Ah, j'ai 15, pardon. 15, autant pour moi. Ah oui, je le vois, ça y est. Pose-toi, sois gentil. Là-bas. Oh, 24%, 36%, ça mange une vitesse. Tu as mis la prime, hein? Ouais, j'ai mis. Il y avait que 3 primes 45, par contre. 49, ça va à une vitesse monstrueuse. Il va prendre 138 niveaux. Oh, belle bestiole. On est à 53%. C'est abusé, ça monte trop vite. Ah, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on arrive à la moitié du pourcentage, là par contre ça diminue vachement. Enfin, il a moins d'appétit, ça va reprendre après. Il est vraiment beau gosse, hein. Et en fait, sur le côté. Ah, ça y est, il mange. Yeah! J'ai hâte de voir quand il va se réveiller, voir un petit peu l'état de la bête. On est à 61%. Ah, mais non, il doit plus avoir Prime là, je pense que ça monte pas très vite. Ok. J'ai hâte de les tester, voir les capacités qu'ils ont, sachant qu'apparemment sur extinction pour le moment, hein, hormis les titans. Yeah! Je l'appelle démon Gorgon. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Je crois que c'est un démon Gorgon, c'est comme ça que ça se Ouais, mais prononce. normalement c'est en deux mots. Wow! Ouais, c'est démon Gorgo, normalement. Démon Gorgo. Gon. Ah putain, j'ai pas réussi à prononcer. Nice! Alors. Wouah! Donc là, sur le côté, il est très épineux. Hein. On est Je sur peux un petit sauter. lézard épineux. Oh putain! Bon, il est débloqué, il est débloqué. C'est chiant ça. Fais clic Ok, droit. donc. Ok, là, on a la possibilité de sauter. Clic Oh! droit, c'est là Oh où qui fait putain! super mal. C'est-à-dire si t'as beaucoup au corps à corps, tu fais ça, tu vas presque one shot tout le monde. Ok! Clic gauche, c'est juste la petite giflette. Ah Après, ouais! tu fais C. Ouf! Et Je peux ben, tu tirer. vas. Par exemple, il y a un scorpion devant. Il tire pas très loin, vas-y, avance. Ah, Mais si, non. d'accord. Salut, le scorpion 300 qui C'est s'est abusé. fait défoncer en 2 secondes. C'est abusé, j'aimerais Vas-y, regarder K. refais C. Regardez la tête qu'il a. Ah ouais, putain. Et tu fais C pour le réenlever. Et faut faire attention, ça use ta stamina. Ok, d'accord, on s'use beaucoup ou pas? Ok, Je d'accord. sais pas, j'ai pas fait Ah, gaffe. je viens de mettre des dégâts, je crois. Alors. Bordel. Je vais lui monter, du coup. Ah ouais, d'accord, ok. Oh Allez, putain. salut, hein. Tiens, Allez, regarde, salut, viens hein. voir, il y a un stego. Viens, viens, viens. Ouais, j'arrive. J'ai trop hâte, c'est. Alors, c'est toi, soit tu utilises le clic droit au corps à corps pour tester, Ouais, mais soit tu attends, on le va dans le mitrailles à biome là. J'ai distance. pas trop envie d'y aller. J'ai envie de la jouer Tu tranquille. sens que le biome dans lequel on va est plus safe que là où on est actuellement. Sérieux? Oui. Ah, oh, j'ai utilisé le clic droit. Allez, on va tester. Au corps à corps. Oh! Allez, salut, hein. Ah ouais! Ah, bah, il fait nuit en plus. Tu peux refaire clic droit si tu veux. Ouais, ou. Le clic Quand droit ça ne vient au corps marche à corps, pas. mets des giflettes, vite! Ouais. Voilà. Clac. On Ah te dit, oui! hein, il fait mal en tout point. Hein. T'as Ah oui, combien il de fait pourcents de nuit! damage? Effectivement. Alors là, j'ai level up son pourcentage de damage. Donc du coup, là, je suis à 442. Ah oui, c'est pas Là, beaucoup. 455, j'ai monté. Par contre, alors déjà, le soir, ça s'allume. Alors déjà, le devant, là. En fait, Oui, oui, oui. ces épines s'allument. Mais oh, il y a un gangbang d'araignées interraciales, c'est n'importe quoi en ce moment. Depuis que. Mais on est rempli d'araignées maintenant chez nous. Notre base a disparu. Tu déconnes un peu. La maison n'est plus là. On a perdu notre base? Il y a que des sacs par terre, il n'y a plus rien. C'est une blague? Non. Attends, je me fais attaquer là par un. Putain, j'ai plus Et de ils sont stamina. sérieux là, C'est sérieux à parce que faire là, je me ça? vénère en fait. Non, non, c'est ultra sérieux. Mais putain, on est parti, on avait notre base. Comment ça se fait qu'elle serait décolorée des pop? On sait absolument rien. Hein. C'est une blague. J'arrive. Putain, mais je vois qu'elle est pas là, la baraque. Mais c'est pas sans déconner, c'est pas possible. Arc, arrêtez de coder avec le cul, faites quelque chose. Enfin, je sais pas. Pour les joueurs, quoi. Avec tout, je sais pas. Faites quelque chose, peut-être, non? Faut peut-être se bouger maintenant. Non, allez. C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a plus de base.
Ça, vraiment, ça va chier. C'est pas Hein. un admin du surf qui aurait fait une commande destroy? Non, parce que justement, l'admin du surf, Et c'est le seul Anto. admin, c'est moi. C'est le mec que t'entends là, en fait, c'est Anto. Et quand on est parti, c'était nickel. On est parti, la base, elle était là. Tu le vois au début du stream, on est parti, j'étais dans la maison. C'est un bug dû à la dernière mage. Comment ça, Fufu? Tu Oui, viens de non, faire mais croire qu'il y on a la le maison? sait que c'est un bug, mais je veux dire, après reboot, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que parce qu'on a fait 2 mètres de la maison a disparu? Oh! Tu es attaqué par quoi? Mais putain, par un Tera. Attends, je vais chercher mon truc, moi, tu vois. Oula! Là, je suis dégoûté là. Qu'est-ce qui se passe? Il est même pas malade ce Ptera, pourquoi il se Mais fight? je sais pas. T'as pas piqué un œuf? Non, j'ai rien fait. Ah bah il s'est fait des zingues. Du coup, tout le monde est Ouais. descendu. Putain. J'essaie de récupérer moi tous les sacs. Enlève-toi s'il te plaît, je Pardon. puisse avoir accès. Vas-y. Ah Attention, ben, ce sauf que je viens de construire Snow a explosé. Owl. Non. Viens voir. Je me retourne. Oh! Absolument pas, Max, je suis absolument pas pour ce genre de blague. Tout ce que t'as des pop là, ça. Ah oui, putain, ça explose. Eh ben, on va Ah déménager. ouais. Ouais, bah 100%. En attendant, par contre, cette zone-là, faut qu'on la, par la suite, on la reprendra quoi, quand ça sera des bugs. Ouais. Ça me fait chier, bordel, bordel. Je lis en attendant les Oh, correctifs le qui ont eu truc lieu. qui fait rager. C'est n'importe quoi. C'est n'imp. Au bout d'un moment, je suis désolée, Wildcard, faut arrêter. En fait, ils font aucun test sur leur marge. Le jeu est sorti sans aucun test. On a quand même un Ptera qui a duré 4 jours à en pouvant grab tous les dinos d'aberration, d'extinction. Tous, sans exception. Non, nous, on n'a pas perdu nos dinos pour le coup, mais. Bon, bah, je vais attendre 30 minutes en regardant attentivement ma fondation et mes 32 coffres. Ah, bah oui, regarde, parce que tu, si ça se trouve, toi, ça va des pop. Hein. On déménage en bas à droite. Non. Ah bah merde, du coup les coffres que j'avais reposés ont explosé. Bah oui. Ah donc là en fait on est où? Attends, j'avance pour regarder où est-ce qu'on s'est placé à peu près. Je vais remplir ma gourde déjà, ça serait pas mal. Voilà. Fait, on est juste à côté de chez ATX, un peu en hauteur. Faudra qu'on barricade la petite zone là parce que j'ai pas confiance quand même.